Iles Dawsonville, activiste li a vive nan vil Springfield, Ohio. Monsieur Dawsonville, sak pase, bonjour, bienvenue sou Magic 9. Bonjour Magic 9, et c'est un plaisir pour moi avec nos matières. Bonjour, merci d'être disponible pour nous, à répondre avec question nou. Nou recevo la sou antenne nou nan konteks kote gen yon kanpay ke Parti Republikan an orkestre kont migran et haïtien yo. Tout à l'heure nous pral les fonti bat bouche sou communauté ça qui s'est réglé, n'a parlé tout sou et organisation ou qui c'est the Haitian Community Help and Support Center qui a aidé migrants haïtien yo. Mais avant nous ta même connait plus information sou ou depuis qu'il est vivre au Ohio pour qu'il soit à vivre au Ohio. Bon, et merci. Pensais que moi au Ohio depuis en 2020, moi censé te quitter Haïti depuis 2013, alors moi t'es Jamaïque, donc moi t'es souvent qu'on fait monter descendre entre États-Unis et Jamaïque avec Haïti. Même moi pas de gain intention et États-Unis. Donc à partir de décembre 2020, donc moi on t'y j'étais menacé dans pays hein, et à cause zone côté moi t'ai été, et puis famille moi t'ai suggéré que moi vini États-Unis faire un tirité pour quelque temps. Donc moi j'étais obligé rester États-Unis, et que pendant moi bon ici à administration Biden était TPS pour migrants haïtiens à cause de politique Haïti. Donc moi j'étais tout normalement et appliqué pour TPS bon ici. Donc depuis là moi Springfield, moi j'ai juste quitté Springfield en 2022 parce que moi j'étais au programme dans American University en Washington DC, j'étais supposé aller suivre dans été 2022. Donc moi j'étais allé dans programme là après quoi, donc moi retourné Springfield encore pour moi qu'à commencer à chercher job et puis travail. Donc ou qu'on aime, c'est comme ça. Pour que ça Springfield et non l'autre ville aux États-Unis, pour que ça Ohio. Donc nous t'es venu Springfield parce que c'est là moi t'ai gagné en amis moi et en neuf et moi tout qui était Springfield, et que on connaît nous il est toujours plus bon pour être quand on monde qu'on est que nous ca développer ensemble et quelques activités dans zone côté nous. OK. Vous dit vous venez Springfield en 2020, l'arrivée qui sortait ouais, comment ville là tu et avant arriver et pendant là. Eh bien, ville Springfield en réalité, tu commences gain haïtien qui arrivait là-dedans, mais il pas aussi en grand nombre. Dans Jean Vignier là. Mais ça c'est business dans zone yo t'es vraiment besoin et main d'œuvre qualifiée. Donc yo t'es commencé même avant 2020, business yo t'es commencé faire mes produits par le fait que yo pas gagné assez monde pour travailler avec yo. Ça c'est une petite ville et qui gagne environ 60 000 monde qui t'es commencé mourir. Parce que commencé comme si perdu valeur li par le fait que moun te commencé quitter li ka yo te commencé abandonner. Donc son ville moi ta capable dire c'est haïtien qui vin revitaliser ville là, mais sans qu'on ait yo pas jamais d'accord bay haïtien crédit ça. Maintenant en 2020 à nos jours, si me comprendre soit expliquer, il y a une explosion de haïtiens parce que nouvelle dans communauté haïtienne surtout nouvelle sur emploi. Nouvelle ça pas camper, devi yon monte au courant, on petit dégager dans zone là, ca pas cher et yo fait information circuler. De 2020 à nos jours, il y a une sorte d'explosion de nombre d'haïtiens qui à Springfield, qui a cherché travail, qui a habité Springfield, et si bien monsieur Dawsonville. Définitivement, yon zanmi vini li wè gagne travail et que li wè que et loyer est pas trop cher, li di yon lòt zanmi, yon lòt zanmi di yon lòt zanmi, et c'est comme ça que tout haïtien rive Springfield nan chercher des opportunités de travail. Donc c'est comme ça que je dis à nous capable que Springfield nous pa gagne une statistique qui normalement officielle. Donc c'est qu'il y a et nous a regardé pour nous si nous ta travail sur programme de recensement haïtien dans zone non, mais et city official yo parlé de entre 15 à 20 000 haïtiens qui c'est
yon tiyer de populasyon Springfield la. M pense ke figure sa li sensé pou mwen menm paske sa eksperyans mwen montre m ke gen vreman pil ayisyen nan zon nan. Koman nou organize nou? Eh bien, konnen. Nou son peuple ki entrepreneur, nou aime entreprendre, si m ka di l kon sa. Nou son peuple ki rezilyan et nou son peuple kom si lè nou rivo kote et nou toujou gade focus nou ale travay, chèche opportunité paske nou pa vini, c'est pas blague, nou vini bay, c'est pas jouer, nou vini jouer. Donc surtout dernier et couche haïtien qui quitte Haïti sous programme Humanitarian Power là, c'est haïtien yo comme si quitte nos sphères d'influence en Haïti, soit dans domaine l'école, soit dans domaine université, soit des leaders de proximité, on prend en vidéo, soit des monde qui gagne pile talent, soit des monde qui te gagne business. Ça veut dire tout venir avec my set sa boy ici, soit des monde qui était chez lui, qui était Brésil déjà, comme si qui était commencé à intégrer nos communautés, qui ont un sens de comment yo ka intégrer dans un nouveau environnement. Donc là yo arrivé Springfield, c'est yo rentré dans travail, yo cherche job, yo fait business, yo fait restaurant, yo fait boutique, yo aller jouer pool, yo aller l'école. Parce que c'est plus bagaille ça même qui ont ti gens fait habitant dans zone nan yo saisi, parce que les latinos ont arrivé, les latinos dans zone nan, mais les latinos yo arrivé dans zone nan, yo plus comme si rete non coin, yo pas comme si aussi au devant de la scène comme ça. Mais haïtien on connaît nous l'hôpital, nous travaille l'hôpital, nous travaille dans service social. Tant que moi-même m'a travaille avec county, on prend un besoin en tant que monde qui a étudié dossier monde pour garder si religieux, pour food stamp, pour médiquer avec assistance l'agent cash. Donc yo ouais que haïtien a travaille, haïtien a acheté caille, haïtien a acheté machine yo pas de rouler, yo essayer yo haïtien a rouler, yo pas comprendre bagay ça, yo vinn jaloux. Donc et Jean yo ouais haïtien, non seulement yo a privé en grand nombre, mais yo rive yo bon rapidité en termes de façon que yo intégré communauté a. Donc ça vinn normalement soulever curiosité yo et faire yo jaloux, m'a dit ben en fin de compte si nous pas lever couche moun sa yo. Et ça arrive que nos temps yo prend Springfield dans mais nous, mais où qu'on est, c'est comme ça nous intégrer communauté Springfield. Donc sous dit que moun qui était là déjà au jaloux, ça veut dire gon petit problème et gon petit tension dans cohabitation et communauté haïtienne avec l'autre communauté qui était là, notamment communauté blanche. Oui, définitivement et y a un groupe dans communauté blanche comme c'est qui toujours fait des commentaires négatifs des haïtiens que yo pas ta supposé là, mais où qu'on est États-Unis, il y a histoire ça, histoire racisme, histoire xénophobie, histoire discrimination, c'est tout États-Unis qui gagne li. Mais en réalité, et m capable dire officiel dans zone yo gagne yon approche inclusif côté que yo travaille avec tout haïtien. Et puis gagne des leaders de proximité dans zone yo, soit leader qui dans organisation à but non lucratif et leader l'église, leader ecclésiastique, et que gagne l'autre leader aussi qui engagé socialement. Je pense que yo ouvert pour yo travail avec haïtien, mais on connaît que zone et Ohio même soit son zone républicaine liée. Gen des séries de white supremacists là toujours existé, bagay Ku Klux Klan là yo toujours existé, qui. Donc yo toujours essayé faire des démonstrations comme si pour ta faire haïtien peur, mais en réalité nous toujours faire et automatiquement yo ta fait démonstration ça yo, et police alerte yo que c'est yo pas ka normalement faire bagay qui mal avec et nouveaux voisins nous yon dans Springfield. Donc on pensait que police toujours fait sûr que yo ce sont des avant-gardistes, on prend en vidéo yo toujours fait des actions qui pour empêcher toute bagarre qui était capable d'escaler. Mais est-ce que la police connaît des comportements négatifs par rapport à la communauté noire là dans zone là? Et mon cher, c'est une communauté que nous fiers de lui en pile, parce que nous pouvons jamais joindre comme si mauvais rapport sur tissu haïtien, comme si en termes de monde qui vient dans zone qui vient augmenter criminalité, aussi non qui dans question affaire bagaille drogue, si gon grain haïtien comme si n'a pas ça au sens si haïtien qui était ici
comme soit qui t'est levé ici t'es déjà comme si qui t'est dans bagage ça déjà mais parmi haïtiens nous qui fait crever Springfield là m'cap capable dire que nous gagne un feedback qui est aussi positif de eux même. Maintenant, on nous venons dans la conjoncture là, dans l'actualité, J.D. Vance a rapporté sur Twitter que Haïtien dans Springfield a mangé canard et mounio a mangé chatmoun. Président Donald Trump dans débat qu'il a gagné avec Kamala Harris et mardi 10 septembre, il a réitéré accusation ça qui visait stigmatiser communauté haïtienne dans Springfield, dans Ohio. Le nous tant des nouvelles ça, comment nous t'es réagi et qui impact et diffusion à grande échelle de fake news ça a gagné sous nous-mêmes qui a vivent dans la communauté. Bon, moi j'aime quand même dire ça que m'était dans travail, t'as essayé regarder si m'ta faire review sur application et les bons amis qui voyaient tweet J.D. Vance là pour moi. Et puis tout d'un coup moi commencé à recevoir des appels de la part des haïtiens qui habitent dans ce ville. Est-ce qu'on parle ça qui a passé à semble bagaille là un petit genre exagéré semble dans faut que nous fassions un bagaille de toute évidence mais avant ça moi même j'étais toujours allé dans town hall réunion yo fait chaque mois avec tout citoyen yo pour moi aller pour voir haïtien parce que t'étais des rues mais avant ça dit haïtien illégal dans Springfield j'étais toujours al porter des notes en tant que citoyen concerné dans zone là et dans town hall meeting que toujours gagné avec commissionnaire yo avec Merlan. Et pour mal parler non seulement de l'histoire d'Haïti et pour me parler autour de comment Haïti contribue dans la liberté mondiale en tant que premier peuple noir qui est indépendant. Donc, l'aime garder et message qu'a vint jeune moi m'étais vraiment perturbé, me pas concentré pour mon travail, moi écrit boss moi m'a dit que faut que moi quitter travail là pour une semaine juste non premièrement pour me capable gagner temps pour organisation parce que c'est l'autre monde qui toujours dans bureau organisation à cause que organisation li là pour le travail avec monde nous toujours fait sûr que gagne monde comme si qui l'aime travail des shifts l'autre monde travail night shift ou sinon pour nous capable switch pour gagne monde organisation pour assister monde mais semaine ça me décidé sous place 24 sur 24 pour me capable normalement et prodoler en haïtien et puis adresser la situation et bye. Donc mais ça que me retenu dans ça. Premièrement, il y a un impact sur santé mentale haïtien parce que haïtien dans zone là pas dans domaine affect question manger les animaux domestiques aussi nos canards sauvages. Il y a pas dans domaine ça du tout. Et pas que haïtien gain temps pour genre de commentaires sur nos bagages ça. Yo. Une situation qui vraiment malheureuse que m'a gardé ça a un impact sur santé mentale haïtien parce que et pas qu'un bagage comme ça qui fait du tout et ni city official là ni département police là yo rejeté accusation ça au revers de main parce que pas gagné qui voit dans eux-mêmes donc y en un bagage qui choque moi c'est que on connaît que vraiment les gars J.D. Vance que ce soit c'est Ted Cruz que ce soit c'est DeSantis ou sinon Donald Trump moi connais que les gars yo ka choisi un bagage comme si pour yo capable faire campagne qui capable attirer attention monde mais à la fin de la journée des bagages que yo dit qui gagne avec santé mentale monde ça c'est premier bagage et deuxièmement yo pas qu'à construire une campagne que yo a fait sous mensonge les censé paraître une campagne qui pas gagne éthique une campagne qui pas aucune sérieuxité là parce qu'on pas qu'à construire un bagage aussi important que ça sous mensonge moi les dans et quelques articles et gen moun nan Ohio qui accusé haïtien de ce que haïtien appelé de faire accident. Ça qui fait que l'assurance machine a augmenté, yo dit tout, et présence nous dans la communauté a augmenté prix loyer. Et, ou un commentaire par rapport avec ça? Commentaire que je par rapport à ça, c'est que, effectivement, que Haïtien yo fait accident, un pile accident dans la zone, non? Et par le fait que, les yo fin que vini parfois, yo prend la rue en sans yo pas respecter procédure. Et normal yo pou yo capable gagner yon permis de conduire qui valide donc ça c'est yon bagay même penser que hier m'étais dans réunion moi ouais que non seulement nous même organisation pas nous essayer bay des cours de conduire
Et même il y a maintenant réunion avec avec commissionnaire Zio, moi ouais que avec Merlan, moi ouais que normalement yo gagne une approche qui très claire pour yo implémenter des projets pour yo essayer et adresser problème ça. Deuxièmement, pour question affaire loyer et nous-mêmes nous vini responsabilité pas nous, c'est faire sûr que nous joignent caille pour nous aider. Et penser États-Unis toujours des lois qui régularisent toute bagaille qu'a fait. Donc pas connait est-ce que yo quitter c'est l'un de l'autre qui normalement définit propre et question à faire et la loi pa yo, ou sinon est-ce que l'État a supposé régulariser bagaille ça. Bon, c'est ça, c'est sur responsabilité l'État. Et parce que c'est pas haïtien qui fixé pour y appartement yo, c'est l'État. Oui, c'est le marché. Oui. Yeah. Tout à l'heure, on t'a évoqué jalousie qui gagne bon communauté sans décap considéré comme on était là déjà dans zone là, vu que nous débarqué en mars et puis nous avons bien intégré nous. Est-ce que vous pensez genre de attaque ça et que leader républicain a fait contre haïtien d'y entrer dans cadre de jalousie qui était gagné contre haïtien dans zone là? Oui, il est rentré contre et compte dans quatre jalousies alors, parce que moi pour moi même c'est purement de la jalousie, parce que normalement et nous seulement venu pour nous contribuer dans bien-être zone, nous venu pour notre travail, pour nous jeunes un côté qui safe pour nous lever famille, nous pas venu comme si pour nous venir chercher problème. Donc je pensais que les gens bien gens du commentaire ça, moi même moi décris comme des commentaires qui xénophobes, qui discriminatoires, et puis qui parce que nous haïtiens pas fait en rien dans zone là, comme si pour à part de comme si incident qui arrivait dans le domaine à faire conduire. Donc on pas croire haïtien comme si fait rien dans qui pour soulever tout commentaire ça. Gouvernement ici en sorti en position officielle hier à travers ministre haïtien qui vit à l'étranger. Est-ce que dans la communauté à côté par nous gagnons d'autres démarches nous faire dans ce sens-là, bon côté officiel, nous, pour que nous capables non seulement permettre que la lumière fasse ce dossier-là, et tout contredit Mantissa, leader républicain au bail sous communauté haïtienne. Oui, moi, pense que nous essayons de parler avec le ministère des Affaires étrangères, ou sinon le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, je pensais que Gédé, notre officiel qui sortit, je pensais que Gédé, moi-même, tellement occupé semaine à an, reste de voir journaliste et ici des États-Unis. Donc, Gédé, même connaît que Gédé, leader qui, moi, pas dans la réunion Zoom, que moi, tant député Gédé avec responsable ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, mais moi, Gédé, notre qui sortit de la part de ministère Hollande qui a normalement rejeté ça et puis normalement demandé pour yo ta capable demander yon excuse formelle par de la part des haïtiens auprès des haïtiens. Donc pensez ça yo fait. Donc moi je suis tout voulais demander, est-ce que nous même dans communauté là Springfield nous contacter dans sens ça autorité zone là, pour que nous demandions pour prendre des positions claires parallèlement avec ça la police dit, ou que on peut pas enregistrer rien sur ça déjà. Oui, yo prend position déjà, et moi t'ai dans town hall meeting là, et que moi mandé ça et moi mandé officiel ça, et moi gagne pour moi rencontrer avec Merlan dans un temps qui pas trop loin, et hier moi t'ai dans une réunion et que moi pensais que m'a rencontrer avec Merlan soit non demain si Dieu veut, sinon dans commencement semaine prochaine. Et mais yo même yo déjà prend des positions officielles que ça yo a dit de haïtien dans Springfield pas rien qui voit là-dedans. Maintenant, et comme vous dites, c'est bien. Excusez-moi. Oui, vas-y. Comme vous avez souligné que et mon que Devin John là déjà yo jaloux, est-ce que après tweet Jeudi Vincent et déclaration Trump là, nous enregistrer plus et acte hostile de la part de moun sa yo contre nous? Est-ce que nous jeune débat avec ça? Et puis tout, et qui situation petite nous qui à l'école, est-ce que yo harcelé yo, est-ce que yo faouché yo après déclaration ça qui tournait en boucle à la fois dans les réseaux sociaux et sur les médias? Il y a un passé que ça pousse les gens à faire plus mauvais commentaires, surtout les sorties dans la bouche des gens qui replacent dans la société. Ya. Et donc, on connaît que il y a des séries de gens qui supportent un candidat, tout ça candidat dit au coin.
Donc, moi-même, je pensais que les États-Unis, il y a possibilité, ils ont officiellement dit un bagaille pour essayer de checker l'authenticité liée avec la véracité bagaille. Mais ce n'est pas le cas. Ils croient, ils ont toujours fait des vieux commentaires. Pour ça, qui a eu avec Simon qui l'école, je pense que le système n'a fait sûr que tout Simon est safe, pas gagner un genre de commentaires qui fait de yon contre l'autre pour ça pas affecter santé mentale pour pas apprendre et on connaît dans pays bon ici on prend santé mentale monde très au sérieux donc penser que à part de peur que bagaille la porte auprès de communauté haïtienne et à cause de vieux commentaires qu'a fait yo mais